Ah, surtout boire. En ce moment, on dort beaucoup et on arrive souvent à zéro en hydratation. Mais je dois dire que je pense qu'on doit juste être déshydraté au moment où on se lève. Car on va être quoi? 99,5 de vie, je pense. Je vois une petite barre noire, tout petit peu. En tout cas, nous sommes de retour. Donc je vais essayer de garder le fait d'avoir deux épisodes par week-end. Je sais pas combien de temps je vais garder ça, mais on va essayer. Voire plus, si j'ai le temps et surtout l'envie. Car l'envie est un petit problème en ce moment, mais on va continuer. Donc la dernière fois, il est quelle heure déjà? Il est quelle heure? Presque jour. Je sais pas où on est. Où est-ce qu'on est? On est dans la cabane. Okay. Enfin bref, on va réfléchir à ce qu'on doit faire. Donc on doit faire de l'eau. On doit faire de l'eau et du café. J'avais dit que la dernière fois on allait faire du café, si je me rappelle bien. On allait faire de l'eau et du café du coup. La bonne chose c'est qu'on avait des faitouts, donc on va pouvoir faire de l'eau extrêmement vite. Et les faitouts aussi, ça va nous permettre de cuire les choses assez vite. Je sais pas si j'en avais parlé, je crois l'avoir dit en stream, mais peut-être pas en vidéo. Ou alors on l'a vu la dernière fois, je sais plus, j'ai un doute. Que les choses en fait cuisaient plus vite dans les faitouts et mettaient plus de temps à brûler. Que par exemple dans les conserves recyclées. Dans les conserves recyclées, ça mettait un peu plus de temps et ça brûlait plus vite. Je crois que non, je crois qu'on l'avait vu la dernière fois, le dernier épisode ou l'avant-dernier. Enfin bref. Donc voilà, pour l'instant on a des vêtements. Bon, les vêtements ça a toujours pas bougé. On n'a pas grand-chose de très intéressant. Aussi, j'ai vu en commentaire, donc j'ai vu les commentaires un peu vite fait. Beaucoup de gens m'ont dit, enfin, on m'a dit que je devrais laisser tout ce qui est objet pour créer des balles. Donc, c'est-à-dire donc le plomb qu'on peut récupérer sur les batteries, la poudre à canon qu'on peut créer, genre destructeur de souche, tout ça, poudre souche. Car apparemment, on n'a vraiment pas les armes. Ce qui est vraiment étrange, et c'est pour ça que j'ai toujours un doute. Mais on a récupéré un livre, on a même deux livres sur les fusils. Et moi, de mon expérience depuis que je joue, et ça va faire au moins 3 ans que je joue à ce jeu, j'ai jamais eu de livre si j'ai pas l'objet dans le jeu disponible. Et c'est ça qui est étrange. Donc je sais qu'après il y a eu des rajouts avec le revolver et tout ça, il y a eu peut-être des problèmes. Donc honnêtement, je vais écouter ce qu'on me dit en commentaire, mais ça m'embête vraiment parce que du coup on va aller à la nouvelle zone et ça va pas vraiment nous avancer plus que ça. La nouvelle zone va être une découverte, c'est bien, c'est sûr. Mais voilà, on pourra pas faire les choses. Ah tiens, on va pouvoir faire ça. Oui, on va le garder pour cuire. J'essaye de passer un peu le temps que le jour se lève un peu. Quoi qu'on peut déjà. On peut déjà sortir si j'arrive à trouver la sortie. Donc oui, c'est quand même un peu embêtant le fait de perdre une grosse partie en fait de la nouveauté. On va sortir. Grosse partie de la nouveauté à cause du fait qu'on joue en intrus. Mais bon. C'est quoi ça, ce bruit? Non, c'est rien. Est-ce qu'on avait de la nourriture sur nous? Oui, on a de la viande, on va la déposer par terre. Ah non! Attendez, est-ce que je me rappelle plus ce que j'ai fait? 20 calories, ça c'est pour un leurre. Et ça c'est pour la manger, donc on va les laisser là pour nous. J'ai l'impression d'entendre des bruits, je sais pas pourquoi. Bref, on va regarder, on va récupérer des massettes, parce que je crois pas qu'on a récupéré des massettes la dernière fois ici. Donc on va le faire, ouais. On a plusieurs choses à faire aussi. Ce que je voudrais aller voir, c'est la cabane du trappeur. On va aller voir ça. On a aussi les trains qui ont déraillé là derrière nous. Qu'on n'a pas vu la dernière fois parce qu'on a pris un tout autre chemin. On a failli se faire bouffer les miches par un loup aussi au passage à cause de ça. Mais voilà, ça changeait un peu de l'habitude. Mais on doit faire ça. Je voudrais faire ça. Est-ce qu'il fait froid? Oh, il fait froid quand même. Je voudrais faire ça.
Sinon, la survie pour l'instant se passe extrêmement bien. Mais on va avancer évidemment hein, parce que il faut quand même qu'on se balade un peu, il faut qu'on trouve des objets parce que là on n'a rien. On peut toujours pas crafter couteau, hachette et tout ça, donc ça c'est un peu embêtant. Des gens m'ont remercié aussi pour les petits trucs et astuces que je propose, donc ça c'est bien. Ah oui, on n'a pas fait ça, on n'a pas fait toutes les petites cabanes, donc on va en profiter. Alors, on va pouvoir faire ça aussi. On va attendre un peu dans la journée, peut-être qu'il va faire soleil. Je crois qu'on a une loupe. Je sais plus si on a une loupe. Je crois qu'on a une loupe. Oui, on a une loupe. On va regarder. Il fait pas extrêmement froid. On va se balader. On va en profiter. Enfin, on va en profiter pour récupérer ma set et tout ça. On va voir s'il va faire jour. S'il fait jour, on fait un feu avec une... C'est quoi ça là-bas? Un cerf. On va faire feu avec, avec la loupe. Ça va nous... Merde. J'ai posé les deux. On va... Ça va nous économiser des allumettes. Alors, en parlant de la loupe, tiens, bah, encore une astuce. Alors, quelque chose qui est un peu bizarre, vous allez me dire. Alors, normalement, comment on utilise une loupe? Une loupe, faut être en contact direct... Enfin, contact direct. Avec la lumière, oui. Enfin, vous comprenez ce que je veux dire. Donc, faut que la lumière directement aille dans la loupe, hein, pour faire du feu, évidemment. Hein. J'avais déjà fait quand j'étais petit. J'avais fait ça sur le balcon avec du journal. C'était une très mauvaise idée. Mais bon, j'avais des... Hein, j'étais pas bien dans ma tête. Non, je déconne. Faudrait que je coupe cette partie de la vidéo. Enfin bref, maintenant c'est dit. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez faire du feu là. En fait, avec la loupe. Et ce qui est pas logique, ce qui est pas logique parce que bon, hein, vous voyez, il n'y a pas de lumière là. Ce qui est pas logique, mais ça marche. Donc si jamais vous avez l'opportunité d'avoir du soleil et une loupe et que vous ne voulez pas utiliser d'allumettes, faites ça, ça marche. Et en plus vous êtes protégé, protégé des loups, protégé du temps, du vent surtout, protégé du vent. Voilà, c'est un peu bête, ça a jamais été... Je sais pas si c'est vraiment... On peut le considérer comme un bug. C'est un truc tout con à corriger, donc je pense pas qu'ils le corrigeront. Donc en gros, c'est plus ou moins une astuce. Je l'ai déjà utilisé plusieurs fois, faites-le. Je considère pas ça vraiment comme une exploitation de jeu. En parlant d'exploitation, je pense pas qu'il y a vraiment eu d'exploitation dans le jeu. Genre, il y en a juste une seule. Personnellement, je l'ai jamais fait, mais beaucoup de gens en parlaient. C'était à l'époque... Oh, c'était il y a au moins 2 ans, quoi. Donc, quand même, il y a eu beaucoup de mises à jour. Je pense qu'en fait, avant, il y a à peu près 2 ans, les vêtements, en fait, ne vous protégeaient pas des dégâts que vous prenez. Maintenant, les vêtements vous ont de la défense, si vous regardez les stats. Donc, plus vous avez de la défense, et en théorie, moins vous récupérez de... moins vous prenez de dégâts quand vous faites attaquer. Par contre, quand vous faites attaquer, vous... Oh, il y a un drôle de filtre, c'est marrant. Un drôle de filtre. Enfin, c'est un drôle de temps, en fait. Quand vous faites attaquer... Vous avez un risque que vos vêtements soient déchirés. Et ça y est toujours. Hein, on l'a déjà eu. Et si vos vêtements sont déchirés, ils sont complètement morts. Vous pouvez pas les réparer. Donc ça, c'est un peu... C'est vraiment le plus gros handicapant de se faire attaquer. C'est pas vraiment le risque de saigner et tout ça, parce que vous pouvez toujours vous rafistoler. Mais le vêtement qui est mort, genre un vêtement super rare qui est complètement détruit, bah c'est fini. Y a plus rien. On va aller aux maisons là-bas tant qu'on y est, parce que je vois pas de loup. Je pense qu'on est tranquille. Il fait pas extrêmement froid. Bon, on a froid, mais on va peut-être un peu accélérer le pas. Mais on va aller aux maisons là-bas. Donc du coup, ce que je voulais dire, c'est que avant en fait, les gens, quand ils allaient combattre des loups ou chasser, pour éviter de perdre les vêtements, bah ils sortaient nus. Voilà, ils enlevaient tous leurs vêtements quand ils allaient attaquer des loups. Et ça, c'était pour éviter de se faire déchirer les vêtements, en fait. Enfin, quand ils vont chasser, en gros, s'ils avaient un risque de se faire attraper, ils déséquipaient leurs vêtements. En gros, c'est ça, quoi.
J'avais vu ça et ça m'a toujours fait rire quand j'ai vu ça. Mais c'était voilà, c'était il y a des années. Hein. Donc bon, ça gâchait un peu le jeu quand même. Enfin, l'expérience du jeu, t'es pas censé sortir sans vêtements quoi. Non, d'accord, c'est pas de porte. La porte est pas là. Oups. J'ai cru entendre des pas derrière moi. Donc voilà. Ça va, il fait assez jour. Ouais, il fait assez jour, ça va. Donc ouais, pour revenir au coup des balles. Je le voyais pas. Il fait pas extrêmement jour. J'ai peur de louper des choses. Donc ouais, ça m'embête un peu le truc de faire des balles. Par contre, on va quand même essayer. Je pense qu'on va tout trouver, sauf les douilles. Donc on avait déjà trouvé la batterie, donc on peut récupérer le plomb. Donc après, on a récupéré, on avait trouvé du... comment il s'appelle ça? Le produit pour les plantes. C'était la poudre de soufre? Oui, c'est ça, oui, c'est ça. Par contre, destructeur de souche, on n'en a toujours pas trouvé. Mais on a la poudre de souche. Donc on peut faire de la poudre pour les munitions. La poudre à canon. Ce qui est très marrant, c'est d'utiliser la poudre à canon pour faire du feu, peut-être. Je sais pas si c'est possible. Mais après, ce qu'il nous faudra, en fait, c'est des douilles. Et je pense pas qu'on trouvera des douilles. Même s'il n'y a pas les armes et tout. Quoique. Peut-être qu'il y a les douilles, mais il n'y a juste pas les armes. Donc voilà, bon, on verra. En tout cas, on verra. Mais je le dis, si jamais... ça y est, commence à bien faire jour. Si jamais on trouve des douilles et qu'on a tout le matériel pour faire les balles, on les fera quand même. On testera, évidemment. Mais bon, voilà, on pourra pas les utiliser. C'est ça le problème. Après, les gens m'ont demandé d'aller dans la nouvelle zone et tout ça. Vous inquiétez pas, on va y aller, comme je l'ai dit. C'est pour ça que j'active. On va dire, on va un peu plus vite cette fois dans les épisodes. On change de zone assez rapidement, etc. Mais là, le problème, c'est que je peux pas faire grand chose. J'ai pas vraiment envie de trop me balader et surtout de rencontrer les nouveaux loups. Sans arc, vous voyez ce que je veux dire? Genre sans armes et sans des bons vêtements, parce que si on n'a toujours pas de bons vêtements, il faudra aller chasser les cerfs, les loups, etc. Oups. Donc voilà, je peux pas vraiment accélérer les choses si je trouve rien, je peux pas faire ça, hélas. Donc on est pour le moment un peu bloqué par ça. Ok, on a tout. J'ai pas regardé, je me rappelle plus si on avait du bois de côté. On avait quand même pas mal de bois de côté. Enfin, on va essayer de ramasser des petits morceaux de bois si jamais on passe à côté. Ils ont changé les phrases. Hein. Je pense qu'elles ont été retravaillées. Même cette phrase, elle a toujours dit la même chose, mais elle le dit d'une façon différente. J'ai l'impression, non? On va aller là maintenant. Oh, attendez, on va se déplacer comme ça pour voir s'il n'y a pas des loups de ce côté-là là qui font... Ah non, ça va, y a rien. Vous savez qu'ils se cachent et qu'ils nous attrapent au recoin, au tournant. Ça serait un peu embêtant. Un journal, non. Ah oui, c'est vrai qu'on m'a aussi... Non mais ça va, c'est bon, calme-toi. On a... Des fois, hein, elle est un peu chiante. On m'a aussi rappelé que... Commencer le feu avec un livre. Avec un livre donne plus de pourcentage, en fait, de réussite. Et ben, je m'en rappelais plus. Mais le truc, c'est que les livres sont lourds à chaque fois. Les livres sont lourds à chaque fois, quand même. C'est 0,50. C'est pour ça que la plupart du temps, je les porte pas. Je préfère seulement rester avec les choses que j'utilise vraiment. C'est-à-dire... Enfin, pour le feu, je parle.
Donc petit bois et après on utilise des bois un peu plus gros pour faire tenir le feu. Et j'évite de prendre les livres parce que 0,50 quand même juste pour faire un feu ça va. C'est quand même pas mal. Enfin c'est lourd quoi. Non, ça on le fait. Mais bon. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Après on peut faire le plein de livres et les mettre à la base et. Enfin à la base. Où on dort et après on fait le feu là-bas. Là on a de la place, c'est vrai qu'on devrait en prendre quelques-uns de livres. On va en prendre quelques-uns au pire. Voir les pourcentages. Je crois qu'on m'a dit que c'était 20% de plus, on verra. Une note. Je lis pas vraiment les notes des backers parce que c'est pas vraiment des notes pour le jeu. Ce sont les backers de. Parce qu'à l'époque c'était un Kickstarter, il y a 3 ans le jeu. Et ceux qui ont donné un. Qui ont pledge en fait, qui ont donné une certaine somme ont pu avoir ça, ont pu avoir des messages dans le jeu. Ont pu laisser des messages dans le jeu, donc du coup ça n'a pas grand chose à voir avec le jeu lui-même. Donc c'est pour ça que je prends pas vraiment le temps de les lire ou quoi que ce soit. Les choses qu'on va lire, c'est les. C'est les. Désolé, j'ai un peu la voix enrouée. C'est les messages sur les ordinateurs. Ça oui, parce que ça, c'est les développeurs qui le font. Donc ça, c'est intéressant. Mais sinon, je. Les backers, c'est pas vraiment super intéressant. Je crois que j'ai. Au début, je les lisais parce que ça, c'était intéressant. Enfin, ça m'intéressait. Je lis toujours les. Quand il y a des messages dans les jeux et tout ça. Genre les livres à lire et tout ça, je le fais. Mais le jour où j'ai vu une lettre d'un backer qui nous donnait une recette pour faire je sais plus quoi. Pour faire des pains ou des trucs comme ça. Je me suis dit, ah non, c'est bon, ça sert un peu à rien. Ça va même pas avec le jeu. Donc j'ai préféré arrêter. Ah, très bien. Ben voilà, là on a fait toutes les cabanes. Normalement on devrait pas geler. Après on va repartir vers notre camp en faisant les petites cabanes là. Ouais. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est vraiment bien. Pour l'instant, on trouve que dalle, par contre. On trouve vraiment rien de très significatif. Mais bon. Hein, c'est comme ça. J'avoue que. Bah, quand on parle de livres. Faire le tour du lac peut être extrêmement dangereux. Je crois que la dernière fois, il y avait des loups. Là, il n'y en a pas du tout, donc c'est pour ça que je veux profiter du moment qu'il n'y a pas de loup en fait. On va pas prendre trop de livres non plus. Pourrait casser ces caisses aussi, ça fait du bois. Ouais, on pourrait faire ça. Combien on a de tissu? Désolé, je buvais un coup parce que j'ai la gorge qui. On a ça aussi à faire bouillir. Ouais, on a pas mal de choses. Je crois qu'on va. On va le faire. Je pense qu'on va essayer de récupérer le plus de bois possible sur le chemin de retour et faire un long feu. Voire même un feu qui va mordre sur la nuit. Ah, histoire de faire beaucoup d'eau d'avance. Je sais pas s'il y a des massettes là, je crois pas. Si, on a. Histoire de faire beaucoup d'eau et surtout le thé. Il y en a plein en fait. Le thé, l'énergie, tout ça. Aussi, rappelez-vous que clic gauche, c'est pour valider, enfin dire oui, et clic droit, c'est pour dire non.
Donc ce que je fais, c'est clic gauche, clic droit, à chaque fois pour les massettes, parce que je prends seulement la partie où qu'on peut manger. La tige, du coup. Les têtes, ça sert de petits bois, en fait. Mais elle n'arrête pas de parler. Vu qu'à chaque fois, on se réchauffe et qu'on se refroidit tout le temps, elle n'arrête pas de parler. La tête de massette sert de petits bois, mais nous, on a déjà pas mal de petits bois, donc ça sert un peu à rien. Donc à chaque fois, gauche, droite, gauche, droite. Est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant là? Non. Ok, on va revenir vers la maison tranquillement, en faisant les petites maisonnettes. On va peut-être regarder un peu à droite aussi là pour encore plus de massettes. On a beaucoup de massettes, on a énormément de massettes. Là honnêtement, niveau nourriture, on n'a pas de problème. On n'a vraiment pas de problème. Il y a une autre zone qu'on pourrait visiter. Enfin, c'est ici, c'est au même endroit, mais... vu qu'on est à côté... Enfin, à côté, façon de parler, quand même. Ça serait de faire le tour, en fait, par là, et repartir, en fait, dans cette direction. Si je me rappelle bien, il y a une petite cabane de chasseurs. Enfin, c'est pas une cabane, je sais pas comment ça s'appelle. Une petite tour. Tour de guet, en fait. Une petite tour de guet. De chasseurs. Ces endroits-là peuvent avoir des bonnes choses. Ouais, je crois qu'on va y aller. Je pense qu'on va y aller. On a fouillé le cadavre là-bas, oui. C'est ça, moi. On a eu un hameçon, très bien. Regardez bien en dessous aussi, il peut y avoir des objets. Très bien, on a des nouvelles baskets, je crois. Très bien. Et je dois dire qu'on a un tank qui est pas si mal. Oh, voilà, là. Je savais bien qu'il y avait lui aussi. Ah mon dieu, toutes les massottes. C'est... Ouais, non, c'est même débile. Allez, c'est limite débile, là, par contre. On va aller à l'endroit où j'ai dit. Ok, c'est toujours un cerf, c'est bien. Ok, va falloir quand même se bouger un peu les fesses. Donc, en théorie, si on a de la chance, on peut trouver du bois à couper. Mais du bois pour faire l'arc ou des flèches. Donc c'est là-bas. Sinon, je sais pas, des objets rares, je sais pas, on verra. Je sais pas, genre une mitraillette, un lance-flammes, vous savez, des objets rares comme ça, quoi, on sait jamais. C'est un peu l'aléatoire. Ce qui est pas mal avec le cerf, enfin, je suis pas super fan de faire ça, mais c'est que si jamais il y a un loup... Bah, le loup devrait attaquer le cerf, mais apparemment le cerf est pas con. Il est où ce con? Il est monté ou il est allé devant? Il est monté, il est parti, je crois. Ok, silence radio. Oh mon dieu! Ok, quelqu'un me rappellera de regarder la scie. Il y a des lapins. J'ai un peu peur, c'est... Non, ça va.
Oh, faut qu'on boive, je sais pas, regarder. Ah, faut qu'on fasse de l'eau. On n'a plus d'eau. Et on a un temps tout pourri, très bien. Très bien. Ah. Ok, on va se bouger les fesses. Quand on n'a pas d'eau, il faut faire du feu. Bon, on a toujours de l'eau en... en tisane, des conneries comme ça, mais... Oh merde. Ok, bon bah le plan est tombé à l'eau. Ah, le plan est tombé à l'eau. Donc, la zone où j'allais... Hop là. La zone où j'allais, normalement il y a une cabane de... Comme j'ai dit, une petite... une petite tour, putain ce queen ne nous lâche pas. Une petite tour où on peut récupérer des bons objets. Je suis pas méga fan du changement de, du son. 100% sûr que le son a été bougé des loups. Ou alors mes oreilles sont beaucoup plus sensibles. On va toujours garder une distance. J'ai encore des commentaires par rapport aux loups. Où les gens me disent que les loups réagissent très bizarrement la plupart du temps. Des fois ils prennent pas les appâts. Faudra qu'on fasse des tests. Et on fera des tests quand on sera... équipé pour. Allez, toujours après moi. Si vous êtes perdu... Ah, ça va, on arrive sur nos pas là, on a les têtes de massette. Si vous êtes perdu dans le lac, prenez un côté, longez le côté. Vous devriez arriver où... où vous voulez. Le lac est pas extrêmement grand, honnêtement. Où est-ce que vous pouvez vous perdre, en fait, c'est quand vous prenez le passage de rivière où on était. Car là, en fait, c'est entouré de montagnes et ça bifurque un peu sur les côtés. Ça fait du droit-gauche et vous pouvez faire des cercles, en fait, et vous perdre un peu. Bon. C'est pas si mal. C'est pas si mal, j'aurais voulu trouver un peu plus de choses, mais c'est pas si mal. On a déjà trouvé 5 jeunes bouleaux verts, ça c'est vraiment bien. Excusez-moi, je bois beaucoup si j'ai placé ma gorge. Fabriquer et réparer les objets après ces choses. Érable vert et bouleau vert. Bouleau vert, c'est les flèches. Ouais. Érable, c'est l'arc. Donc on peut faire 2 arcs et après on peut faire, je crois que c'est 2 flèches par morceau de bois. Ou 4. Oh, c'est vraiment bien, honnêtement. C'est vraiment, vraiment bien. Pointe de flèche. Fût de flèche. C'est 3 fûts de flèche. 3 par branche. Donc c'est énorme. Là, on a vraiment un carquois plein, quoi. Vraiment, vraiment cool. Oui. On a le lapin à dépecer qu'on a sur nous. On va le faire. On a de l'eau à créer. Car on a soif. On a ça de près. On a trouvé ça en plus. On va le mettre là. On s'en fout un peu. Je suis en train de réfléchir à ce qu'on a des choses à faire. Non, on va faire le... 12, 1. Là, on a tout ça et tout ça. Et après, dans la maison, on peut casser des... Ouais, on peut casser des choses. Ok, ça va. Ça va, on peut faire le feu. Il va durer assez longtemps. Il va durer assez longtemps, c'est bon. Par contre, elle est fatiguée. Elle est fatiguée. Ça m'embête, par contre.
suis en train de réfléchir. Qu'est-ce qu'on peut... Est-ce qu'on a quelque chose qui redonne de l'eau? Soupe de tomate, ça redonne de l'eau, je crois. Massettes. Ah la vache. Ok. C'est parce que je veux qu'elle se repose pour qu'on fasse du feu qui dure longtemps. Normalement, on doit être à plus de 50% de repos là. Yes, ok, ça va. Ok, maintenant on fait le feu. Avec les torches qu'on n'a pas. Non, je déconne. Tada. Torche. Alors, livre, 80%. C'est vrai. C'est vrai que 6, on passe à 80. Donc, utilisez les livres. Mais, comme je dis, le livre est lourd. Le livre fait 0,50 à chaque fois. Un demi-kilo. Donc bon, je pense que les livres sont pas bons si vous voyagez. Ne pas prendre des livres si vous voyagez. Mais après, si vous êtes chez vous, oui, utilisez les livres, oui, ça peut un peu aller un peu plus vite du coup. D'abord, on utilise ça. Alors, d'abord, on va faire... On va faire ça. 15 minutes, comme ça on a 1 litre d'eau, on va boire. Comme ça je tape pas dans les réserves qu'on a. Dans les réserves, genre ça là. Là les tisanes et tout ça. On va les poser. On va les poser parce que pour le moment on n'en a pas vraiment besoin non plus. On va les mettre là. J'en avais pas mis en plus. On va les mettre là. La plupart du temps, si j'explore, j'en garde toujours une de chaque sur moi. Et après, le reste, je les dépose à la maison. Comme ça, on est léger. Mais si jamais, par exemple, on se fait attaquer, mordre et tout ça, on a des antibiotiques et des antidouleurs sur nous. En tisane, en naturel. Comme ça, on tape pas dans les médicaments. Vous voyez ce que je veux dire? Ok, 5 minutes, très bien. Je crois que ça va être encore 15 minutes pour que ça boue. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est ça. 15 minutes, très bien. Ok. Bouillie dans 2 minutes. On va prendre ce bois-là. Ok, maintenant, on va encore faire de l'eau. C'est un peu chiant, on va faire la partie chiante, c'est-à-dire que bah il va falloir attendre 2 heures. Je pense qu'on a assez, on a 2 heures, mais on va devoir dépecer le lapin, on va regarder ce qu'on a à faire en plus, voilà, on va passer les 2 heures tranquille. Ah, donc 1 heure. Tac, 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 3 heures de feu, très bien. Donc, lapin. On va récupérer ça. Ouh, 80%, ça va. Ah, on l'a bien utilisé quand même, hein, là. Là, si. On l'a quand même bien utilisé. 40 minutes, la fourrure. Notre sortie était cool. Comme je dis, à chaque fois, il faut... Bouille dans le même temps. Le temps aussi. La sortie était cool. Faut toujours essayer de relativiser, en fait, vos sorties et de faire une sorte de compte rendu, genre qu'est-ce que vous avez récupéré, est-ce que c'était vraiment utile de sortir, est-ce que ça vaut le coup de ressortir après ça ou pas. Je pense que dans la journée, c'est en intrus surtout, hein, ça aide. Là dans la journée, on a quand même gagné de la nourriture, énormément de nourriture avec les massettes si on compte les massettes. On a gagné du bois, on a récupéré du bois. Et quelques petits outils aussi, genre des... genre l'hameçon ou des trucs comme ça. Et surtout, on a fait une bonne partie... Voilà, très bien. On a fait une bonne partie de la zone. Et ça, c'est le plus important. C'est
faire la zone, c'est ça qui est vraiment important. Ce qui est bien aussi, c'est que quand vous... Mais ça, je l'avais sûrement dit, peut-être que vous l'avez vu de vous-même. Quand on fait cuire les choses comme ça, là, ça augmente votre cuisson, donc faites-le. Donc c'est pour ça que tout faire cuire, c'est bien. Voilà. Vous voyez, vous avez l'icône, vous gagnez à chaque fois de l'expérience. Même si c'est pas de la nourriture, vous gagnez de l'expérience si c'est des boissons comme ça. 15 minutes, très bien. Donc voilà. La cuisson monte très vite dans le jeu, si vous faites comme moi. Elle monte très très vite. 23 minutes, faire attention. Ça... Ok, on n'a pas énorme encore. On a encore des choses à faire. Ah, on a encore quand même des choses à faire. Ça fait 10 minutes. Ça c'est combien pour casser? 45 minutes. Merde. Ouais, faut qu'on fasse de l'eau. C'est-à-dire qu'on va faire de l'eau et pendant que l'eau bout, on va casser du bois. Je crois. 1h50. C'est peut-être un peu trop de 2h. Ouais, j'aurais peut-être dû faire 1 litre, pas 2. 2h. Donc on a ça, on a le café. 45 minutes. On va faire nuit. Ok, fondu, ok, ça marche. Est-ce que le café on le garde sur nous? Je suis en train de me poser la question. Est-ce qu'on le garde sur nous, le café? Je pense qu'on va en garder 2. Le café, la plupart du temps, je le garde sur moi, mais bon. Peut-être pas vraiment utile. Ouais, très bien. J'ai pas regardé ce que je vois le tissu. C'est vrai que j'ai pas regardé les vêtements aussi. Je sais qu'on a eu un nouveau bonnet. Est-ce que c'est vraiment une nouvelle chaussure? Ok. Les vêtements, c'est là. Hop. Très bien. Voilà, pendant que ça cuit, vu qu'on met quelque chose qui met longtemps à cuire, enfin à bouillir et tout ça, vu que c'est de l'eau, nous on casse des objets qui mettent un peu de temps. Voilà, 25 minutes. On a encore 1 heure et on a du feu. On a ça maintenant. Vous voyez, il faut toujours relativiser les choses, voir un peu... Enfin, relativiser, c'est pas vraiment le bon mot là que je veux employer, mais... voir ce que vous pouvez faire en fait pour gagner du temps. Et ce que vous pouvez faire en même temps que le temps passe, ça aussi c'est important. Là, s'il faudra faire attention si on commence à trop l'utiliser, genre... Attendez, c'est 19 minutes. Genre, couper du bois. Faut pas la casser surtout, faut vraiment pas la casser. Voilà, il y en a encore combien à faire? Oh, on en a encore 4. C'est très bien, l'eau va être bouillie. On va faire les tisanes. Les tisanes, c'est important, comme j'ai dit. Ça va nous être utile si jamais on tombe malade pour contrecarrer le fait de perdre de la vie. Ça, je l'avais expliqué. C'est important. Et ça aussi, il faut le faire. Eau potable. Très bien. On va faire ça. On va faire un peu mélanger, comme ça on a un peu les deux. 15 minutes. On va perdre du sommeil. Elle est fatiguée. C'est pas extrêmement grave. Ah, on a monté de niveau. Cuisine niveau 2. On a gagné. Alors, cuisine niveau 2.
Les aliments cuits rapportent 10% de calories en plus. Donc maintenant, au lieu de 100, par exemple tout ce qu'on fait là, ça va être à 110. Ouais, 110. Vraiment, vraiment, vraiment cool. C'est pour ça, récupérer les champignons et tout ça, faites-les bouillir. Ça aide énormément. Encore 50 minutes. 1h20, très bien. Donc ça c'est vraiment cool. Ça c'est vraiment un bon moyen de monter très vite de niveau. Et puis on fait des choses utiles, hein, surtout. C'est vraiment ça. Hein. C'est lié l'utile au très utile. On va faire cuire ça 27 minutes. Donc on est visité par les fantômes des morts. On va aller lire quelque chose d'intéressant. Téléchargement journal 11 doc. Utilisateur par défaut. Si des espèces prédatrices étaient introduites au lac Mystère, les populations de poissons locales sont verrées fortement diminuées. Une suivi sera nécessaire afin de vérifier, de vérifier s'il y a des plans pour introduire ces espèces invasives volontairement. D'accord. J'aime bien l'atmosphère des aurores boréales. C'est plutôt stylé. On peut mettre de la musique aussi. C'est plutôt cool. Alors, quand... Par contre, des fois, le bruit de l'électricité, en fait, est assez fort. Ça fait... C'est un peu étrange. Vous pouvez... C'est comme si vous étiez en plein jour. Donc, du coup, en fait, vous pouvez travailler au... vous pouvez faire tout ce que vous pouvez pas faire dans la nuit en fait. Donc, c'est-à-dire coudre, réparer vos vêtements, ou alors travailler sur des établis. Donc ça c'est vraiment sympa. Donc c'est plutôt sympa si vous vous retrouvez un peu à avoir switché vos jours et vos nuits en fait. Ça vous permet de rester, de pouvoir travailler la nuit sans utiliser de lampes. Oh, on a ça à poser. On a autre chose à poser? Non, on a posé la peau. On a posé la peau. On remonte. Aussi, les animaux sont beaucoup plus dangereux, mais je pense que ça, tout le monde le sait. Par contre, les animaux ont peur de la lumière, donc si vous trouvez des sources de lumière, vous pouvez vous cacher avec, avec les sources de lumière. On va faire ça. Et ça, très bien. 10 minutes. 10 minutes, on n'a plus rien à faire. Attends, on a 60 massettes. On a 3 kilos de massettes. Vous imaginez ça, 3 kilos de massettes? C'est un peu de beaucoup. Il y a 3 litres d'eau aussi. Par contre, là, c'est pas éclairé du tout. Voilà. Tisane. Tisane aussi, on va la poser. On va en garder 2. Ça, on va en garder 2. Ah, très bien. Je pense qu'on est bien. Ce qui est embêtant, c'est que vu qu'on met du temps... Enfin, on met pas de temps, mais... On passe du temps avec le feu. C'est-à-dire que on va devoir dormir la journée un moment. On va perdre un moment de journée, en fait, pendant qu'on dort. Parce qu'il faut qu'on récupère la vie, on est à 50%.
Là, on a beaucoup, on s'est beaucoup baladé. Je sais pas quoi faire avec les... Les massettes. Qu'est-ce qu'on fait? On les pose ou on les garde sur nous? On a 3 kilos de massettes. C'est super léger, hein. C'est super léger, les massettes, hein. On en a quand même 60. Hein. C'est 60 fois 150 de calories. Pour seulement 3 kilos. On n'est pas méga lourd. On pourrait se balader avec les massettes, mais bon. À quoi ça sert de se balader avec autant de massettes, vous voyez ce que je veux dire? On pourrait aller les déposer. Où est-ce qu'on les dépose? Je sais pas. Genre un endroit voyageur. J'ai peur en fait de les... J'ai peur de les... De plus y penser. Genre là. Non, là. On va en déposer 30. Voilà. Ce serait bien qu'on puisse les... Tout ça là, tout ce tas de massettes, les mettre dans des boîtes. Ce serait vraiment cool. Okay. Est-ce qu'on a bientôt fini? Je crois que... Ça y est, je crois qu'on a plus de... Ah oui, fois 7 encore. T'es sérieux? On en a encore 7 à faire? Oh la vache. Oh. C'est beaucoup. Je pensais pas en avoir autant. Le truc, c'est qu'à chaque fois, on utilise de l'eau, hein, faut se rappeler. Hein. Donc ça, c'est un peu embêtant. Enfin, c'est embêtant. Faudrait qu'on refasse de l'eau après. Ah, on a trouvé du métal, c'est vrai, il faut le poser. Qu'on casse des boîtes encore. Faut qu'on pose le métal et qu'on casse des boîtes. Je crois qu'on va plus avoir de d'eau dans pas longtemps. Poser le métal après. Très bien. Bah ça se passe bien, honnêtement, comme j'ai dit, le coup d'avoir récupéré énormément de massettes et tout ça, bah ça nous a un peu changé la vie là. On est tranquille, honnêtement on n'a pas peur, on n'a pas besoin de se soucier de la nourriture. On n'a vraiment pas besoin de se soucier de ça pour le moment. Charbon on va déposer un peu aussi, on va faire ça. Parce qu'on n'a pas besoin d'emporter 300 aussi non plus. C'est pour dessiner de toute façon. Pour le moment que pour dessiner. Le cuir séché aussi on va le déposer, les plumes aussi. Là on va en déposer 3. On en garde toujours 10 sur nous. Ça nous permet de passer du temps, de raccommoder si jamais on doit passer du temps en intérieur quelque part. Sinon pour faire des igloos aussi. Je crois qu'il en faut 5 de tissu et 10 morceaux de bois. Deux minutes. Je voudrais bien faire de l'eau encore. On va regarder si on n'a pas une caisse à casser. Deux heures pour casser une chaise. Putain, tu la balances contre le mur, elle se casse quoi. Ouais. Non.
Ou alors on met les bouts de bois qui nous restent. Je sais pas, je suis en train de réfléchir sur ce qu'on peut faire. Neuf minutes, il nous faudrait 2 heures. Il va falloir bien calculer notre temps. On va passer ça, voilà, très bien. 2 litres. 2 litres. 1 heure, ça va faire 2 heures. On va juste être... 2h04, ok. Comme ça, maintenant, on peut dormir et ça va cuire l'eau, ça va faire fondre la neige, bouillir l'eau. Et on est bon. Ah, et on peut dormir. On peut dormir maintenant, on n'a pas besoin d'attendre, vous voyez. Et quand on se réveillera, on prendra l'eau. Ouais, on va faire ça, on va faire ça. Ça fait une bonne petite journée. Bon, on n'a plus d'eau. On a 0,40. On a fait tellement de choses. Bon, on a le morceau de viande, on va le manger. Oh mon dieu, tout ce qu'on a. Vous avez vu tout ce qu'on a. C'est un peu abusé quand même. Enfin, c'est un peu abusé. Si on tombe malade, ça va être super utile. Hein. Vous imaginez même pas. Si jamais on tombe malade, on va en avoir besoin. Je suis en train de me dire, est-ce qu'on mange ces trucs-là, là, qui sont bas en calories, en pourcentage. Je suis en train d'hésiter, en fait, si on le fait ou pas. Si on avait plus de tisane que ça, je prendrais une tisane maintenant, mais vu qu'on n'est pas trop sûr d'en trouver, je préfère ne pas en prendre. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va manger ça et ça. Le lapin, on va le manger, mais pas en entier. Ok, 0,6, très bien. Ok, ça, ce sera nos 2 appâts. Voilà, ça sera 2 appâts, très bien. On va manger ça. Alors, il y a un truc bête, c'est que quand il y a... par exemple, les biscuits, ça dit que... Ça augmente un peu l'eau en plus. Les biscuits, ça nous dit que... c'est sec, donc ça donne soif. Mais apparemment, le bœuf séché, donc le beef jerky, pareil en fait. Vous donne soif. Alors je sais pas pourquoi, parce qu'en théorie non, c'est, enfin moi j'en mange beaucoup. Ça devrait pas donner soif et surtout ça le dit pas. Alors après on peut dire que bon c'est salé, c'est séché et salé, donc peut-être oui le sel ça donne soif. Mais bon voilà, ça le dit pas, mais ça donne soif. Ça va vraiment, ça va baisser votre hydratation. Donc gardez ça en tête, on est à 800. 800 secondes d'heure. Ouais, ouais, c'est bon. Ah bah voilà. Bah ça sera tout pour cet épisode. Je pensais faire plus, mais au final, en fait, on a très bien travaillé, on a très bien bossé. Bon, on va sûrement se réveiller en milieu de journée. On aura l'eau finie. J'espère. Normalement, elle sera pas évaporée. J'ai bien calculé. On a récupéré... Donc, on a récupéré de la nourriture qui va nous permettre de tenir cette nuit-là. On a récupéré énormément de massettes. On a fait de l'eau, on a fait tout ce qu'on avait, les tisanes et tout ça, ça c'est vraiment cool. Ah ouais, ouais ouais, on a très très bien bossé et on a monté de niveau aussi en cuisine, on est déjà même 2,5 déjà, tellement qu'on a fait de choses, donc vraiment vraiment cool. Ouais, on va continuer, très bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. On va encore boire et on y va. Très bonne petite journée, je dis très très bonne petite journée. Et demain, on va aller voir la cabane du trappeur et tout ça. On va faire les endroits qu'on n'a pas encore fait. Plutôt cool!